Monsieur le Président Jacques Chirac, Madame la Présidente Vaira Vike Freiberga, Dr Rajendra Pachauri, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Monsieur l'imam Mohamed Shafa, Monsieur le pasteur James Way, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la direction de la Fondation Chirac, Mesdames et Messieurs, c'est avec une très grande humilité que je reçois ce prix de vos mains, Madame la Présidente, et mon premier devoir est d'exprimer une reconnaissance émue à Monsieur le Président Jacques Chirac, ainsi qu'aux membres du jury et à tous ceux qui, avec eux, ont considéré que je pouvais être digne de cette distinction. Chaleureuses félicitations à vous, Monsieur Mario Giro, pour le prix de la Fondation Chirac que vous allez recevoir. Je connais assez bien le travail de la Fondation Sant'Egidio et surtout ce qu'ils ont accompli, avec quelle discrétion et avec quelle patience, pour aider à mettre fin à la guerre civile qui avait ravagé le Mozambique pendant si longtemps. J'ai appris à connaître le travail de votre organisation, notamment par mon ancien collègue et ami, Aldo Aiello, qui a eu la redoutable charge de mettre en œuvre les accords de paix au Mozambique. Il s'en acquitta avec la finesse, la détermination, l'énergie, la patience et la ténacité qu'on lui connaît. Il fit aussi preuve d'une créativité tout à fait remarquable. Puisse cette reconnaissance méritée, Monsieur Giro, encourager Sant'Egidio et vous-même à continuer en Afrique et ailleurs l'œuvre que vous avez si bien commencée au Mozambique il y a 25 ans. Quant à moi, au cours des missions qui me voient aujourd'hui d'être ici, je n'ai jamais été seul. Il y a tout d'abord ceux qui m'ont fait confiance et prodigué leur soutien et leurs encouragements, en particulier dans l'ordre chronologique, feu le roi Fahd d'Arabie Saoudite, feu le roi Hassan du Maroc, l'ancien président algérien Chadli Ben Jdid, l'ancien secrétaire général de la Ligue des États arabes Chadli Khlibi et les anciens secrétaires des Nations Unies Boutros Ghali, Kofi Annan et aujourd'hui Ban Ki-moon. Il y a ensuite ceux et celles qui m'ont accompagné sur le théâtre des différents conflits. Ces hommes et ces femmes ont partagé avec moi les doutes, les frustrations et les risques qui sont le lot commun de tous au cours de telle mission. Quelques satisfactions aussi. Ces compagnons sont trop nombreux pour être cités nommément, mais je me dois de leur dire ici toute mon amicale, ma fraternelle reconnaissance. Parmi eux, il y avait en particulier en Afghanistan, Monsieur le Président, une équipe de la gendarmerie française qui, à votre initiative personnelle, fut affectée à ma protection et dont les membres se sont succédés deux années durant pour partager avec moi, eux aussi, les bons et les mauvais moments. C'est aussi l'occasion pour moi de dire combien je vous suis reconnaissant, Monsieur le Président, pour l'intérêt personnel que vous avez souvent manifesté à l'égard de mon travail en faveur de la paix et pour le soutien que vous m'avez apporté, les encouragements que vous m'avez prodigués. Je me souviens avec une particulière fierté de l'honneur que vous me fîtes en septembre 2000 à New York à l'occasion du sommet du millénaire des Nations Unies en m'invitant à présenter le rapport du groupe de travail sur les missions de paix des Nations Unies que Madame la Présidente vient de mentionner, à présenter ce rapport aux chefs d'État et de gouvernement des pays francophones. Vous vous souvenez sans doute que le président Abdelaziz Bouteflika avait choisi cette occasion pour assister pour la première fois à une réunion de la francophonie.
Et comment oublier le soutien fort que vous n'aviez pas hésité à apporter à l'initiative prise en février 1998 par Kofi Annan, qui se rendit à Bagdad afin de désamorcer une des nombreuses crises entre le gouvernement irakien et les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce déplacement avait été qualifié alors de mission à haut risque, alors que d'autres avaient préféré attendre prudemment de voler au secours de la victoire une fois la mission couronnée de succès. Vous nous aviez reçus, Kofi Annan et moi-même, alors que nous étions en route. Vous aviez même généreusement mis un avion à notre disposition. Ce fut là une action de prévention dans son sens plein et entier. Le gouvernement irakien avait accédé aux exigences du Conseil de sécurité et de nouveaux bombardements de l'Irak évités. Le personnel des Nations Unies ne s'y était pas trompé. Spontanément, tout le monde est descendu pour faire un accueil triomphal à Kofi Annan à son retour à New York. Hélas, quelques mois plus tard, les bombardements américains ont repris. Kofi Annan dira alors « Ceci est une journée bien triste pour les Nations Unies et une journée bien triste pour le monde. » De l'étendue de cette tristesse, on se rendra compte pleinement en mars de l'année 2003, lorsque les États-Unis ont pris l'immense responsabilité d'agresser, de conquérir et d'occuper l'Irak en évoquant des prétextes que le monde entier savait fallacieux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on a beaucoup parlé ces dernières années de la prévention des conflits et partout souligné l'intérêt, l'importance qu'il y avait à empêcher un conflit d'éclater ou de s'embraser de nouveau. Mais il n'y a naturellement pas en la matière de recette magique. Cependant, la communauté internationale a tiré de ses succès et encore plus de ses échecs une riche expérience et de précieuses leçons. Et tout d'abord ceci. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, les menaces les plus sérieuses qui pèsent sur l'humanité tout entière ne proviennent plus, comme la guerre, des tensions entre grandes puissances, riches et surarmées. La fin de la guerre froide a eu raison, pour l'essentiel, de ces problèmes. Certes, en Asie, les progrès économiques, souvent spectaculaires, n'ont pas encore trouvé le prolongement souhaité dans le règlement des conflits territoriaux. En mer de Chine, par exemple, ou bien encore entre le Japon et la Russie, le long de la frontière sino-indienne ou au Cachemire. Mais ce sont aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, des conflits qui sont au départ très localisés, dans des pays généralement très pauvres, qui, de proche en proche, s'étendent et finissent par menacer des régions entières, voire l'humanité dans son ensemble. Qui ignore aujourd'hui que l'effondrement de l'État dans le petit Libéria est au moins partiellement responsable des horreurs d'il y a quelques années au Sierra Leone, des coûteux soubresauts en Côte d'Ivoire ou encore des problèmes que connaît la Guinée? Qui ignore que l'Afghanistan, à cause des conflits qui n'ont cessé de le secouer, fournit encore aujourd'hui pas loin de 90% de la production mondiale d'opium et plus de 80% de l'héroïne qui se trafique dans les villes européennes. Et qui ignore que l'occupation des territoires palestiniens, les discriminations, les injustices, les humiliations, les punitions collectives, bref, le déni de justice sous toutes ses formes, alimentent les tensions qui, périodiquement, embrasent le Moyen-Orient et menacent le reste du monde. J'étais à Gaza il y a 2 semaines à peine. J'y ai vu beaucoup de souffrances. Mais ceux qui s'imaginent
que les Palestiniens de Gaza et d'ailleurs renonceront à leur lutte pour leurs droits légitimes et leur dignité se trompent dangereusement. Pauvreté, malgouvernance, corruption se conjuguent dans bien des cas pour provoquer les conflits. Puis les conflits aggravent cette même pauvreté, cette même malgouvernance et cette même corruption, créant ainsi un cercle vicieux qui, inexorablement, débordera les frontières et contaminera de mille façons différentes d'autres communautés, parfois de manière inattendue, comme c'est le cas pour ce phénomène extraordinaire de la piraterie qui s'est développé au milieu de l'anarchie et du dénouement en Somalie. Ou encore, vous en avez parlé aussi, Monsieur le Président, ce qui se passe dans la région du Sahel aujourd'hui. Les problèmes sont connus, Monsieur le Président. Vous les avez très bien identifiés vous-même dans plusieurs de vos discours et encore aujourd'hui. Mais la communauté internationale, tant à l'ONU qu'au niveau des organisations régionales, n'a pas encore mobilisé la volonté politique commune, seule susceptible d'élever la pratique de la prévention des conflits à un niveau qui, plus efficacement qu'aujourd'hui, permettra d'aider des communautés, des États, voire des régions entières à se prémunir contre le fléau de conflits dévastateurs. Votre fondation, Monsieur le Président, s'emploie et j'espère de plus en plus efficacement à contribuer à ce travail éminemment nécessaire. Je vous remercie encore beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Lakhdar Brahimi, lauréat du prix spécial du jury de la Fondation Chirac.